Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, une petite vidéo explicative. Rendez-vous consulat de Pontoise pour le passeport biométrique. Ça, c'est pour que les gens ils ne se fassent pas avoir, qu'ils ne stressent pas. Tout est facilité, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, au niveau des papiers, il faudra les originaux et les photocopies du passeport, la carte nationale marocaine et du titre de séjour de madame ou de monsieur. D'accord. Ensuite, au niveau financier, il faudra 77 euros. Voilà ce que j'ai payé. Les justificatifs de domicile, ils ne nous ont pas demandé. Le papier qu'on a rempli, le formulaire, ils ne nous l'ont pas demandé. Donc, ça a suffi. Et une photo. Une photo. Ma femme m'a dit, ils ont pris une photo. Voilà. Ensuite, nous, on avait rendez-vous à 11h. On est arrivé là-bas à 10h40. Mais tu passes pas à 11h. D'accord. Ils vont te donner un ticket. Nous, on avait le numéro 64. Quand on est arrivé, il y avait 20 personnes devant nous. Donc, on est sorti de là-bas à midi 20. Voilà. Donc, rendez-vous à 11h. On est sorti de là-bas à midi 20 en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Rabbi salam alaikum. Donc, ça a été très simplifié. N'oubliez pas votre récépissé. Ils vont vous donner un papier. Ce papier-là, ils vont vous rappeler par téléphone, Inch'Allah. Ils vont dire, voilà, venez chercher votre passeport. Pour le moment, ça, je ne sais pas. Je vous ferai une vidéo pour ça aussi. Donc, cette vidéo-là, c'est juste pour informatif. Que vous soyez informé un peu de comment ça se passe, le rendez-vous là-bas. Rabbi salam alaikum. Tout est simple. Je crois que je n'ai rien oublié. Si, prévoyez 2h30 de parking. Parce que du côté de Pontoise, tout est payant. D'accord. Donc, 2h30 de parking. J'ai dû payer ça 4 euros, un truc comme ça. Voilà. Rabbi salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.